Les questionnements sur la famille royale du Royaume-Uni sont nombreux avec des millions d'adorateurs qui scrutent leurs moindres faits et gestes de partout dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont notamment remarqué un détail assez étrange chez le prince William, l'absence d'alliance à son doigt. Cela fait en effet plus de 10 ans que le prince William et Kate Middleton se sont mariés, et si la duchesse de Cambridge porte bien une alliance ajustée à sa bague de fiançailles, il n'en va pas de même pour son mari. Comme beaucoup de personnes, Paris Match s'est posé la question avant d'y répondre de manière rapide et efficace. Il s'agit simplement d'un choix personnel de la part du prince William. Comme le rapportent nos confrères, sa décision de ne pas porter d'alliance avait été annoncée par le palais afin d'éviter les polémiques, et ce déjà en 2011 juste avant son mariage. D'après le communiqué du palais dévoilé à l'époque, il avait été précisé que le prince William ne porterait pas d'alliance. Aucune explication supplémentaire n'a été fournie à l'époque et les 10 ans qui se sont écoulés depuis n'ont pas non plus fourni de nouveaux détails. Paris Match souligne cependant que le prince William fait ici un choix qui rappelle celui de son grand-père, le prince Philippe, qui ne portait pas d'alliance non plus. Ce choix vient par ailleurs marquer une nouvelle différence entre les princes William et Harry, puisque Harry a, de son côté, toujours porté une alliance. Le prince Harry, à l'opposé du prince William depuis son mariage avec Meghan Markle en 2018, le prince Harry a toujours été vu avec une alliance en argent ou en or blanc à son annulaire gauche. Un choix très traditionnel qui dénote non seulement de celui de son frère aîné, mais aussi de celui de son père, le prince Charles. En effet, ce dernier n'a que très rarement porté son alliance et la seule bague qui reste invariablement à son petit doigt est sa chevalière, qu'il possède depuis plus de 40 ans. De quoi prouver que même au sein de la famille royale, les traditions sont différentes pour tout le monde et chaque mari a sa façon de porter, ou non, ses bijoux.